Oui, elle est clairement assumée parce que vous le savez, Donald Trump préfère l'industrie et l'argent aux enjeux environnementaux. D'abord parce que c'est la préoccupation de son électorat et c'est aussi la sienne, je dirais, pas tant par conviction personnelle, mais bien plus par opportunisme économique. Il se dit que toutes ces études scientifiques sont forcément un frein à la bonne marche de l'économie et il n'y a qu'à voir. En un an, il a déjà relancé l'industrie du charbon. Il veut augmenter encore la production de gaz de schiste. Il a autorisé notamment la réalisation d'un oléoduc très controversé. Alors on peut toujours se rassurer en se disant qu'ici aux États-Unis, la Maison-Blanche ne décide pas de tout en matière d'environnement, que les États et les mairies ont leur mot à dire et elles pèsent dans un certain nombre de décisions. Mais enfin, il faut bien reconnaître que c'est quand même une bien maigre consolation.